Salut à tous, c'est ASFR36, j'espère que vous ça va, moi c'est parfait. Et donc aujourd'hui on va finir la mini-série de ce qui concerne la ferme. Donc vous vous souvenez, en tout premier on avait fait la moissonneuse-batteuse. Ensuite le dernier tutoriel c'était sur les trois tracteurs dont vous voyez un juste devant la ferme. Et donc aujourd'hui on va faire cette magnifique ferme, hein. Un tuto beaucoup plus long que ce que je fais d'habitude. Mais bon, c'est pas grave, donc c'est une ferme étape grange, hein, inspirée de les fermes qu'on voit dans les films américains. Et donc, à part ça, passons tout de suite au tutoriel. Donc voilà, on se retrouve sur cette nouvelle map pour commencer le tutoriel de la ferme. Donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin de piliers de quartz, donc comme ceci, et de l'argile durcie rouge. Donc on commence, donc le patron il est très simple, donc vous posez, ça sera un des angles de la ferme, et vous tirez ici avec les blocs d'argile durcie rouge, une ligne de 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous remettez un pilier, et ici vous faites la même chose mais une ligne de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, après, vous remettez un pilier ici et vous finissez le rectangle. Voilà. Et vous mettez de chaque côté 3 blocs d'argile durcie ici et ici. Et donc ici, ça sera la porte. Après, vous montez un pilier, le pilier de quartz comme ça, pour qu'il fasse un total de 5 blocs. Et vous remplissez ça comme ça. Voilà. Vous fermez la porte comme ceci. La porte, elle fait 4 de haut et 6 de large. Donc vous faites ça sur tout le truc de la ferme, et donc je vais le faire et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait le tour de la ferme et donc on va commencer à faire ce qu'il y a un peu plus haut. Donc pour cela, on aura besoin de nouveaux matériels, donc on va déjà prendre tout ce qui est quartz, donc des escaliers en quartz normal, des blocs de quartz et des dalles en quartz, et on va aussi prendre du bois de sapin et des dalles de bois de sapin. Et donc, on va faire deux petites lignes comme ceci avec l'argile durcie. Voilà. Entre deux, vous posez un escalier normal et un escalier à l'envers. Voilà. La même chose de l'autre côté, un escalier à l'envers. Voilà, voilà. Après, ici, on va faire trois hauteurs, deux colonnes de 3 de haut avec du quartz, et on va faire une fenêtre. Donc, en haut, on met une rangée de dalles de quartz comme ceci, et en dessous, vous faites la même chose pour faire une sorte de petite barrière, comme ça. Après, on va déjà commencer à donner un peu la forme du toit. Donc ici, on va rajouter 2. Voilà. Ici, encore 2. Voilà, voilà. De la même chose de l'autre côté. 2. Et après, ici, seulement 1. Comme ça. Et on remplit tout le reste. Voilà, ça a déjà une jolie forme. Hein. On ne sait pas tout à fait ce qu'on veut, mais c'est déjà, ça se rapproche déjà assez. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté, donc vous faites la même forme. Comme ça. 2, et on rajoute encore 2, donc ça fait 6. Final, et on recouvre ici. Comme ceci.
peut déjà faire ça. Après, ici, on va rajouter une fenêtre, mais ça, on le fera après. Parce que là, on va passer tout de suite à la forme du toit. Donc, sur ce bloc, vous mettez un escalier à l'envers. Ici, vous faites une rangée d'escaliers à l'endroit. Jusqu'ici, où vous reposez un escalier à l'envers. Et donc, maintenant, on va faire le truc le plus compliqué du tutoriel. C'est donc vraiment cette forme de toit. En fait, elle est très simple, mais il faut la comprendre. Donc, là-dessus, vous posez un bloc. Ensuite, un escalier à l'endroit. Un escalier à l'envers. Un bloc. Un escalier à l'endroit. Un escalier à l'envers. Et c'est comme ça, sur les trois étages, où on monte de deux blocs. Un bloc, un escalier à l'envers. Et quand on a fait ça, on met un escalier. Qu'est-ce qu'on met après ici? Un bloc. Pardon, non, pas un bloc comme ça, mais un bloc comme ça. Et un escalier à l'endroit par-dessus. Là, on met une slabs. Touc. Là, on met 4 blocs. 2, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici, on peut presque mettre une slabs comme ceci. Après, ici, on met 2 petites slabs. Et on refait la même chose de l'autre côté. Donc pareil, hein. Un escalier à l'envers, un à l'endroit, on monte de 1, un escalier à l'endroit, un escalier à l'envers, un bloc, un escalier à l'endroit, un escalier à l'envers, un bloc, un escalier à l'endroit. Ensuite, là on met un escalier à l'envers, un bloc. Ici au-dessus et un escalier dans le bon sens et une slabs par ici. Voilà. Donc là, on a déjà notre forme de ferme. Et donc après, ce que je vais faire hors caméra, parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps, c'est avec le bois de sapin, vous allez suivre le patron qu'on a ici pour faire les bords du toit comme ceci. Tout à l'intérieur et le tour ici, vous faites exactement la même chose que là-bas, vous faites ce patron de toit, donc on peut refaire de ce côté, hein, c'est très simple, là, vous avez compris. Donc c'est un bloc, un escalier à l'endroit, un escalier à l'envers, un bloc, un escalier à l'endroit, un escalier à l'envers, un bloc, un escalier à l'endroit et un escalier à l'envers. Vous faites tout le tour ici et vous remplissez à l'intérieur comme ça avec du spruce wood, des blocs de bois de sapin et des escaliers bois de sapin. Donc, je fais ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini le toit en bois de sapin et j'ai rajouté juste à l'intérieur des glowstone pour pas que ça fasse trop sombre et que les chauves-souris pop. Et donc maintenant qu'on a fini l'avant ou presque, hein, il y a juste un petit détail qu'on doit rajouter. C'est ça, juste au-dessus de la porte, on peut mettre une petite protection comme ça. Ça donne pas mal de face. Ça fait un petit détail en plus avec les escaliers ici. Et donc, puisque maintenant l'avant est quasiment terminé, on peut s'occuper de l'arrière. Donc, l'arrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une autre fenêtre comme ça, mais cette fois en bois. Donc, pour faire cette fenêtre, c'est simple. On tire un pilier de 4 blocs de hauteur des deux côtés comme ceci. Et on ferme la fenêtre en haut et en bas grâce à des demi-dalles, comme ceci. Et ici, on peut refermer tout ça. Voilà. Donc après, là, on pourra s'occuper de mettre peut-être une petite grue ou un petit quelque chose qui lève le blé pour aller le ranger dans la grange. Mais ça, on va le faire après. Maintenant, on va un peu s'occuper de l'intérieur, justement. Donc pour l'intérieur, on va faire un petit parquet. Ici.
On va faire un parquet comme ça de trois lignes. D'abord comme ceci. Voilà. Et là aussi, vous faites un parquet de 3 de largeur. Je vais le reposer là, c'est glowstone. Et ici, vous comptez 5. Et sur le sixième, vous tirez une ligne complète. Jusqu'ici. Et ici, vous refaites la même chose. 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ici, vous remplissez tout ça. J'aurais pu le faire hors caméra, mais je vais quand même le faire avec vous maintenant parce que ça prend pas beaucoup de temps et puis ça me prendrait beaucoup plus de temps au montage si je dois faire de nouveau une prise de caméra. Donc on va rester comme ça, je vais vous le faire avec vous. Donc voilà, pendant que j'ai raconté ma vie, j'ai quasiment déjà fini ce plancher. Donc maintenant qu'on a fini ce plancher, on peut prendre du bois normal, et on va faire des piliers ici, comme si c'était des piliers pour maintenir, voilà, comme ceci, le parquet, hein, pour maintenir le parquet. Après, vous rajoutez des slabs au-dessus, juste pour faire joli. Et après ça, bon, j'ai juste rajouté de la lumière ici, parce que c'est très sombre. On va pouvoir mettre des barrières. Donc pour ça, vous prenez des barrières normales et des fence gates. Vous pouvez faire le tour qu'avec des barrières, hein, si vous n'avez pas trop envie de passer trop de temps là-dessus. Mais moi, je vais faire autrement et on va faire des barrières un peu plus stylées. Donc déjà, dans les deux angles ici, vous posez des barrières. Là, ici et ici, vous posez des barrières. Et le reste, vous mettez des fence gates. Comme ceci. Là aussi, vous posez une barrière entre les deux. Là aussi. Et ici, vous posez de barrières, il reste vous mettez des fence gates, ce qui fait des barrières un peu plus stylées, un peu plus swag que les barrières normales. Oups là, pardon. Comme ça. Donc après, on peut prendre des torches pour que ça éclaire. Vous en posez là et vous pouvez en poser deux, une ici et une ici. Là, maintenant, les glowstones sont de plus aucune utilité, voire que peut-être ici, il faudra faire un truc. Maintenant qu'on a fait ça, on peut reprendre les stairs et les escaliers et améliorer un peu le toit depuis l'intérieur. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, surtout si vous êtes en survie, parce que ça va vous griller des ressources pour rien. Mais puisque moi, je suis en créatif, j'en profite parce que ça rend l'intérieur plus joli, ça fait que le toit est moins saccadé, hein, par des gros angles droits. Ça fait le toit un peu plus rond depuis l'intérieur. Donc vous faites ici, pareil de l'autre côté. Donc vous faites sur tous les petits angles droits, comme ceci. Sauf sur ceux d'ici en bas, hein, parce que ici en bas, il faut laisser le passage si on veut bouger. Parce que s'il y a des stairs ici, ça, il y a presque plus moyen de passer. Donc c'est mieux pas. Vous pouvez le mettre, hein, vous pouvez encore passer, mais moi je le mets pas. C'est pour après faire la déco qui va venir après, sûrement dans la deuxième partie de cet épisode, parce que ouais, il va durer quand même plus longtemps que les autres, donc je vais sûrement le faire en deux parties. Et donc maintenant qu'on a fait ça, bah, déjà regardez, sur ce mur ça rend quand même beaucoup mieux, cette partie ronde comme ceci. Et donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à faire une porte. Ici, faire comme si c'était une porte coulissante qui passait ici. Et donc pour cette porte coulissante, vous aurez besoin de oak wood plank, donc de planche normale, de dalles de planche normale et des dalles de pierre, comme ceci. Avec vos dalles de pierre, vous faites toute la rangée ici jusqu'à ici, l'angle là, et vous remplissez tout ça de slabs. Voilà. Donc la porte là, elle fait 6 de largeur, donc vous allez aussi faire une porte de 6 mais un peu ouverte, comme ça on peut rentrer. Donc voilà, vous tirez une rangée comme ça fait 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Voilà, jusqu'en haut. Et donc là, vous avez votre porte qui est un peu entrouverte depuis l'extérieur. Bon, bien sûr, elle n'est pas finie. Donc après, vous pouvez remplir entre les deux pylônes qu'on a fait en stone slabs de planches. Ceci, on va pouvoir rajouter une petite fenêtre ici au milieu. Non, ça c'est trop grand. Comme ça, ça va bien. Et donc, comme ça, vous avez comme si il y avait une porte, mais qu'elle était légèrement entrouverte. Si ça, c'est pas beau, dis donc. Voilà. Donc, avec une petite fenêtre ici. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer, puisqu'il nous reste encore un peu de temps dans cet épisode, on va pouvoir faire ici au-dessus une sorte de grue pour monter le foin. Donc pour faire cette grue, vous tirez une ligne comme ça avec vos stone slabs de 3. Vous en mettez une ici et entre les deux, vous faites ceci. Je vais y arriver. Comment on peut faire ça? Comme ça, voilà. Vous faites une sorte de triangle comme ça avec une diagonale ici et une barre droite là. Après ça, vous pouvez poser deux barrières comme ça, une fence gate comme ceci, et des barrières comme ça, qui descendent, jusqu'à là, donc 2-3. Après, vous prenez vos petites slabs comme ça de bois de sapin, vous en posez une par-dessous, et vous prenez des escaliers de bois normal et vous faites le tour pour faire la petite plateforme où se trouvera le blé. Voilà, voilà. Après, vous pouvez sans autre mettre des blocs de blé. On va faire autour. Voilà. Comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de les mettre tous dans le même sens. Ça fait plus joli, même s'ils sont pas tous dans le même sens. Donc, pas forcément le mettre comme ça. Et voilà, vous mettez un peu au bol du blé là autour, comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez une jolie petite grue qui monte le blé dans votre ferme. Voilà, voilà. Donc je pense, vu mon chronomètre, que cet épisode touche à sa fin. Donc le deuxième épisode va bientôt sortir, hein. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des propositions d'autres tutoriels, hein. Donc après ce tutoriel, je vais sûrement commencer une série sur les chantiers, donc si vous avez des propositions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Sinon, abonnez-vous, aimez la vidéo comme bon, je m'embrouille là, ouais, donc abonnez-vous, aimez la vidéo, et sinon on se voit mercredi pour la suite de la vidéo qui va dans cette vidéo on va emménager l'intérieur de cette ferme et rajouter quelques petits trucs. Donc on se dit à mercredi pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.